Bonjour. Alors pour cette toute première vidéo de l'année 2021, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Alors d'éveil, de prise de conscience, de réalisation de soi, tout ce que vous pouvez imaginer de positif pour vous et pour l'humanité. Voilà. Alors en sachant quand même que 2021, ça va être une année qui va encore beaucoup, beaucoup remuer et dès maintenant, hein, de toute façon, voilà. On va pas dire que ça commence dès 2021, ça a déjà commencé en 2020 et bien avant. Mais en tout cas, je sais que 2021, ça va être une année, il va falloir s'accrocher une fois de plus. Mais bon, c'est ce qui se passe quand on est dans une phase de transition planétaire, quand on est une phase d'éveil, quand la planète, dans son ensemble, bah, elle commence un peu à se réveiller, à s'éveiller pour passer sur un autre plan. Donc ça va être une année où il y aura plein de surprises, il y aura des choses difficiles à vivre, hein, faut pas rêver, attention, hein. Il y aura plein de choses difficiles, mais on peut passer à travers, on peut vraiment transmuter ça en quelque chose d'éveil et de compassion. Alors tout ça, j'y reviendrai évidemment dans toutes les vidéos que je vais faire sur YouTube, parce que je continue à faire des vidéos, je vais dire, tout public pour ceux qui ont envie de continuer à me suivre, voilà, il n'y a pas de souci. Et évidemment, maintenant, on va agir à travers le réseau que j'ai monté avec, avec Cara, et puis toute l'équipe qui est autour, évidemment. Et là, on va vraiment agir de façon concrète, très particulière. Alors, ceux qui sont motivés pour venir nous rejoindre, bah, allez-y. Alors pour ceux qui sont tout nouveaux, qui ne comprennent pas de quoi je parle, c'est pas compliqué, vous regardez toutes les vidéos précédentes, j'en parle clairement avec Cara, on en a parlé, du projet de réseau de lumière que nous avons monté, et qui est déjà à l'échelon mondial. Voilà, on est très très nombreux, donc vous pouvez venir nous rejoindre à ce sujet-là. Je lance un petit appel particulier à l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Bah déjà parce que vous êtes assez nombreux à me regarder, et je sais qu'il y a déjà quelques groupes en Afrique qui ont été faits, mais c'est pas assez. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous sentez motivé, si vous vous sentez impliqué dans le passage en 5D, bon c'est un grand mot, mais dans la transition planétaire, dans tout ce qui se passe comme modification et de prise de conscience, je sais que l'Afrique, elle est en train de monter en puissance. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du continent africain. Et c'est important, peut-être, bah déjà que vous en preniez conscience. Et puis que vous soyez aussi, à votre tour, les acteurs, des acteurs du monde nouveau. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur le réseau, il n'y a aucun souci. Voilà. On vous dirigera dans des groupes qui sont là pour vous accueillir, tout simplement. Alors, c'est un appel particulier, là. Je dis bien toute l'Afrique, hein. L'Afrique noire, le Maghreb, partout, quoi. Il n'y a aucun souci. Alors, je sais que ça se fait déjà, et c'est important, parce que je le sais. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin, c'est un message qu'on m'a transmis aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du continent africain très peu dans les années qui viennent, et peut-être même plus rapidement qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, c'est un appel que je vous fais. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est fait. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bon, ben aujourd'hui, je vais vous parler un peu, bon. En fait, il n'y a plus grand chose à dire, parce que maintenant, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Hein. Ça va aller très vite. On voit que ça explose de partout. Alors, bon, oui, ça va exploser. Il faut un peu quand même faire attention aussi de ne pas être là où ça pète trop fort. Mais bon, on va vivre une année puissante en événements, de tout ordre, ça c'est certain. Il va falloir s'accrocher. Hein. Ça, je vous le dis, c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais bon. La prise de conscience est là, l'éveil, à mon avis, va se faire. Alors, ça peut se faire des fois des réveils un peu en sursaut, peut-être un peu trop violemment,
Donc pour nous, on va essayer de garder le sang-froid le plus possible, garder la conscience. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est vraiment de s'éveiller, mais de s'éveiller en conscience, de s'éveiller en ayant beaucoup de discernement et de maîtrise de soi. On ne va pas céder aux provocations des forces de l'ombre, qui ne se gênent pas pour attaquer en ce moment. Hein. Donc on va tout faire pour rester serein et s'adapter aux événements. Hein. On va essayer de s'adapter aux événements qui viennent, les comprendre et les transformer en des moments d'éveil, quoi qu'il arrive. Chaque événement qui va arriver à partir de maintenant, on va dire, on prend un point de départ puisqu'on est en 2021, ça serait bien, oui, ça serait positif de les transformer en des moments d'éveil. Ça, c'est super important. Super important en les transmutant, en les comprenant, quoi qu'il advienne comme événement. Que ce soit des événements naturels, des événements provoqués par l'ombre, des événements à tous les niveaux. Si on arrive à les comprendre et les accepter en pleine conscience, on peut transformer tous ces moments en des moments d'éveil. Et qu'est-ce que ça veut dire, transformer en moment d'éveil? Ça veut dire que vous allez grandir. Ça veut dire qu'on va transmuter les choses et on va être de plus en plus conscient et de plus en plus fort. Et on passe à l'échelon au-dessus. Et plus on passe à l'échelon au-dessus, ben, moins les forces négatives ont d'emprise sur nous. Ils ne pourront plus. Pourront plus. Si on est capable d'agir de cette façon à chaque événement qui va nous arriver, mais c'est gagné. Tout simplement, c'est tout simplement gagné. Donc on verra, on va adapter tout ça. De toute façon, vous serez aidé. Hein, on va vous. On essaiera j'essaierai de vous transmettre tout ce que je peux vous transmettre pour vous guider à ce moment-là, vous aider à ce moment-là. Et ça devrait bien se passer. C'est le but, hein. Le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est pas, comment dire, de régresser. Le but, c'est de transmuter, de comprendre et de s'élever. Et d'avoir une conscience plus large des événements, de tout ce qui va se passer. Donc, à ce niveau-là, on ira en progressant petit à petit face aux événements, on les décryptera ensemble. Tout ce qui se passe, à peu près ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais peut-être plus en profondeur, parce que là, ça va aller véritablement en s'intensifiant. Vous allez voir, ça va être très rapide, à partir de maintenant, février, jusqu'à ce que ça se calme, que tout ça se tasse un peu. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre à ce niveau-là? Bon, pour l'instant, je vais la faire court, cette petite vidéo, je vais la faire courte. Voilà, je vous lance un peu les grandes lignes. Alors, toujours pareil. On va se rejoindre bientôt. Alors, j'ai eu beaucoup de souhaits dans ce moment que j'aimerais réaliser cette année. C'est déjà la rencontre avec tous ceux qui font partie du réseau, évidemment, mais aussi ceux qui ne veulent pas en faire partie pour multiples raisons. Vous pouvez, ça serait bien qu'on puisse aussi se rencontrer. Donc, tout ça, c'est prévu pour cet été. On va aller au-devant de vous. On va faire comme on peut, parce que c'est vraiment compliqué au niveau au niveau d'organiser des conférences, des machins comme ça. Mais bon, c'est prévu. On va aller au-devant de vous avec Cara, hein. On va aller partout. On va essayer d'aller partout. Donc, venez à notre rencontre, si vous pouvez aussi. C'est important, le contact, hein. C'est ce qui nous est demandé, c'est le contact vraiment... qu'on puisse se rencontrer les uns et les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là, de façon concrète. Après, que peut-on dire d'autre? Dans l'immédiat, moi, ce que je souhaite vraiment dans l'immédiat, c'est que... Préparez-vous à des événements qui vont vraiment vous bouleverser et restez le plus serein possible.
J'insiste encore, je reviens un peu là-dessus, mais il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Alors on vous prévient. Il faut vraiment que vous puissiez être prêt au moment venu. Maintenant, de toute façon, on n'a plus trop le choix, hein. Parce que ça peut être, ça va être soudain. Il va y avoir beaucoup d'événements qui vont arriver du jour au lendemain. Mais des événements qui vont tout bouleverser du jour au lendemain. Donc tenez-vous prêt à ça, préparez-vous, et en restant calme et serein le plus possible, c'est-à-dire véritablement. C'est comme si vous étiez face, c'est comme si vous étiez dans un état de méditation face à un événement. Ça ne veut pas dire que vous ne le viviez pas, que c'est pas, vous ne l'ignorez. Ce n'est pas ça. C'est simplement, il ne va pas vous altérer. Et ça va pas avoir d'empreinte émotionnelle trop puissante pour vous déstabiliser. Parce que des événements négatifs, il va y en avoir venant de l'ombre. Ça, c'est certain. Ça va être là pour vous déstabiliser, vous faire peur à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc là, il va falloir rester véritablement centré, avoir beaucoup de discernement et aussi être, comment dirais-je, le plus. Vous serez aidé par les aides des étoiles, de toute façon, hein. Donc, il y aura des pratiques, il y aura des choses qu'on va pouvoir faire ensemble à ce niveau-là. Voilà. Bon. Allez, je ne vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui parce que c'est la première vidéo de l'année. Donc, on va rester le plus centré possible. Alors, gardez quand même le moral, hein, il n'y a aucun souci, il faut avoir le moral, même malgré tout ce qui va arriver. Vous restez optimiste le plus possible. Voilà, alors moi je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos beaucoup plus complètes. Vous verrez. Parce que déjà, je pense que pour la prochaine vidéo qui vont suivre, déjà pas mal d'événements vont probablement déjà se mettre en place. Donc rassurez-vous, je vais vous envoyer du concret, je vais vous envoyer du précis. On va faire plein de choses. Voilà, allez, je vous quitte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les protocoles classiques, c'est-à-dire le like, le pouce bleu, le partage, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes tout nouveau, et si vous êtes tout nouveau, et que vous ne comprenez pas trop de quoi je parle, regardez toutes les vidéos que j'ai faites. Il y en a plein, vous comprendrez tout ce qui se passe, là où je veux en venir. Et puis voilà, puis vous partagez avec vos amis. Laissez pas vos amis tout seuls. Donc partagez les vidéos. Voilà, allez, je vous laisse. À très bientôt.